Et voilà parti pour la Destrier Junior Cup avec Denis Darco qui s'est tout de suite emparé du commandement au saut du premier obstacle et qui a librement l'avantage avec Orielton Martina qui vient en seconde position, bien calé dans son dos. On est en troisième position et on tente de venir avec un Kinadazé. On est à l'extérieur avec Irene Fistikitibou, juste devant Superbe du Mafray qui précède Cosworth, Pierrus et Cowan Steimler. Les concurrents passent devant les tribunes à bord de le tournant et pas de changement de table en tête, c'est-à-dire Denis Darco qui a quelques difficultés dans le tournant mais qui a toujours librement l'avantage avec Irene Fistikitibou qui vient en seconde position. Orielton Martina est en troisième position, juste devant Quinquinadazé qui précède Cosworth Perle qui est là également. Et puis on tente de venir avec Superbe du Bafray à l'arrière-garde, juste devant Cowan Steimler, les concurrents qui sont maintenant eh bien, au début de la ligne opposée. Et toujours Denis Darco qui ne me tend. Sur Irene Fistikitibou et Orielton Martina, Quinquinadazé viennent ensemble en 3 et 4e position. Cosworth Perrus a perdu quelques rangs et vient avec Superbe du Mafray. Et puis Cowan Steimler, les concurrents sont au milieu de la ligne opposée. Pas de changement notable en tête. C'est-à-dire Denis Darco qui a supporté le poids de la course et qui emmène le peloton depuis le début de l'épreuve. Alors qu'on vient de franchir une nouvelle haie, Orielton Martina vient de mieux en mieux dans son dos avec Irene Fistikitibou qui est passée en 3e position. Alors qu'on tente de revenir avec Quinquinadazé à l'extérieur, Cosworth Perrus, Superbe du Mafray et Cowan Steimler sont à distance. Un peloton qui se regroupe maintenant dans le tournant et pas de changement notable en tête. Denis Darco qui a l'avantage et ceci depuis le lâcher des élastiques. Alors qu'on vient maintenant en seconde position avec Orielton Martina qui va tenter de venir l'inquiéter alors qu'on est en troisième position avec maintenant Quinquinadazé. Irene Fistikitibou semble avoir un passage à vide actuellement. Il demande à Bolder. Elle va tenter de revenir dans la phase finale. Les concurrents qui vont aborder maintenant une nouvelle haie avec Orielton Martina qui semble avoir les choses bien en main et qui va se diriger seul en tête vers la dernière haie. Orielton Martina qui repart le plus bel et qui réaccélère sur le plat. Orielton Martina va s'imposer très facilement avec Valentin Leclerc une nouvelle fois. La deuxième place de Denis Darco, la troisième place pour Quinquinadazé devant Irene Fistikitibou et Cosworth Perrus.